du blé grillé par le soleil, des terres asséchées et du maïs moribond. Un peu partout en Europe, à cause de la canicule et de la sécheresse, la récolte de céréales est mauvaise. La production baisse en Allemagne de 12%, en Suède de 44% et en Russie de 15 à 20%. Une pénurie qui fait flamber les prix, plus 22% pour le blé, et le prix du maïs grimpe de 18% en moins de 2 mois. Une hausse des prix, paradoxalement bien accueillie par ce céréalier français. Moins de blé produit à l'étranger, cela signifie surtout qu'il pourra vendre son blé plus cher. Lorsque l'un des concurrents se trouve avoir des difficultés, et c'est parfois notre tour, c'est une bonne nouvelle. Pour vous. Pour nous. Depuis 4 ans, il vendait la tonne de blé aux alentours de 170 euros. Elle vient de dépasser les 200 euros. Et voyez-vous, la hausse ici qui démarre ne permet que de nous faire passer très légèrement au-dessus de ce seuil de rentabilité. Mais cette hausse des prix pourrait aussi avoir une conséquence négative. Pour les éleveurs d'abord, et peut-être au final pour les consommateurs. Les conséquences immédiates, c'est la disponibilité de fourrage pour les éleveurs. Et donc une augmentation du coût du fourrage pour eux, d'accord ? Et donc, il faudra que le prix de leurs produits, donc les produits laitiers ou la viande, monte pour compenser cette augmentation du prix des fourrages et de l'alimentation des animaux. Si la flambée du prix du blé est importante, elle est encore loin d'être équivalente à celle de 2010. La tonne de blé avait atteint les 300 euros.